Bon alors, je suis super heureux et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en revenant de mon tour de France, j'ai lancé un appel au territoire hautement citoyen. Ça correspondait à beaucoup de choses que j'avais vues et que j'avais entendues ou senties comme envie d'élus ou de candidats pas encore élus et qui allaient l'être, certains qui ne l'ont pas été, mais c'est pas grave. Des envies citoyennes assez fortes d'aller vers d'autres formes de gouvernance plus ouvertes, plus participatives, plus transparentes. Et du coup, j'ai décrit dans cet appel à un territoire hautement citoyen ce que ça pourrait être, d'après moi, le territoire qui serait le plus citoyen possible, donc avec une implication citoyenne forte. Et je pensais juste en rester là. Et il y a des élus, notamment certains que j'avais été voir, mais d'autres aussi, qui ont répondu à cet appel en disant c'est génial, mais on fait comment? C'est très beau cette théorie, mais où est-ce qu'on va? Qui peut nous aider? Qui peut nous former? Etc. Donc je suis déjà super content parce que ici, si vous avez la chance dans une commune qui est dans ce beau département de la Gironde, vous avez des gens qui sont à fond là-dedans. Et je découvre aujourd'hui ce que, enfin hier aujourd'hui tout ce que vous faites et je trouve ça super parce que ça colle complètement à cette vision de territoires qui sont dynamiques de manière citoyenne. Et du coup, moi, la réponse que j'ai proposée avec le collectif Démocratie ouverte à ces collectivités, c'est un programme qu'on lance, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Territoire hautement citoyen, et dont je vais essayer de vous parler assez vite. Donc, la définition d'un territoire hautement citoyen, vous pouvez la retrouver sur le site du collectif Démocratie ouverte. Il y a quelques grands chapitres. C'est un territoire sur lequel on engage une transition organisationnelle et institutionnelle, donc notamment avec les questions des schémas de gouvernance dont on a pu parler. C'est un territoire sur lequel on organise une transition citoyenne et éducative aussi, c'est-à-dire que sans une formation à être un citoyen actif et sans des institutions et des espaces ouverts dans lesquels les citoyens peuvent participer, c'est compliqué, parce on a aussi beaucoup parlé hier, mais on a beaucoup de citoyens assez consommateurs. Mais par contre, qui sont d'accord pour rentrer dans ce type de processus s'ils sont bien construits et que les personnes sont bien accompagnées. Territoire sur lequel on organise une transition technique et méthodologique. Là, on est en plein dedans parce qu'il y a plein d'outils et de méthodes, mais ça ne peut pas s'improviser. Une transition culturelle et comportementale et une transition des moyens d'échange. Et là, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça va des moyens d'échange grâce au numérique, aux réseaux sociaux, qui sont des nouveaux espaces qui s'ouvrent, mais aussi les moyens d'échange financiers. Les monnaies complémentaires, tout ça, ça participe d'une citoyenneté renouvelée. Voilà, donc ça, c'est un peu les grands chapitres de l'appel au territoire hautement citoyen auxquels des élus ont répondu et du coup qui nous a amenés dans Démocratie ouverte à construire, à proposer ce programme. On est encore en construction, puis je pense que c'est un programme qui va être amené à continuer à se co-construire. C'est un programme qui s'adresse aux élus locaux et aux administrations, services et cabinets pour que eux soient les moteurs d'une transition démocratique ou d'une transition citoyenne sur leur territoire. Mais qu'ils ne le fassent pas seuls, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas seul. Ça se fait en impliquant les porteurs de projets citoyens déjà présents. Ça correspond un peu à la cartographie d'acteurs qu'on a pu faire hier. Essayer de repérer ce qui existe déjà, parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà sur les territoires. Et en impliquant aussi le citoyen ou l'habitant qui n'est même pas encore citoyen et qui doit aussi prendre part au programme. Donc l'objectif, c'est engager ce qu'on appelle transition démocratique locale, qui dit transition, dit passer d'un État à un autre. Donc c'est passer d'un État de gouvernance existant. En général, les collectivités qui s'intéressent à ça ont déjà mis en place des dispositifs, des outils, des méthodes, donc on ne part pas de zéro. Et c'est passer de cet État-là à une gouvernance encore plus ouverte, avec une implication plus forte des citoyens. Et les moyens que nous, on propose dans le programme, c'est on propose une méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, collectif Démocratie ouverte, qui allons faire les choses, mais par contre, on propose un cadre d'action et une méthode, et c'est ça que je vais vous décrire. Et l'idée, c'est d'accompagner un peu sur cette méthode. Et juste le dernier point, inspiration mondiale, ça participe, je pense que c'est très important de faire les choses à l'échelle locale, mais ça participe aussi d'un mouvement mondial qui s'appelle l'Open Government, qui est essayer d'ouvrir les modes de gouvernance. Et il y a un partenariat pour des gouvernements ouverts qui a été lancé par Obama quand il est arrivé au pouvoir un peu après son premier mandat avec le Brésil et Dilma Rousseff et avec
une soixantaine de pays qui sont rentrés dans ce partenariat. Alors, tout dépend de l'analyse. On peut faire beaucoup d'analyses de ce partenariat. La France le rejoint là en 2015. Ça peut très bien être juste de la communication et du bullshit, entre guillemets. En tout cas, ça peut aussi très bien être une véritable manière d'impliquer les citoyens aussi à l'échelle nationale et pas uniquement aux échelles locales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors des sentiers battus. Ça s'expérimente. Et là, l'Union européenne aussi fait des choses dans ce sens-là. Donc, il y a quand même un mouvement assez fort national et international qui va dans ce sens-là. Donc nous, territoire hautement citoyen, on le pense, on le réfléchit un peu comme une des propositions à l'échelle locale pour faire ça. Les grands principes, j'essaie d'aller assez vite, c'est d'avoir la construction d'un plan d'action avec les collectivités, de faire des groupes de partage d'élus qui sont en transition et de construire un référentiel d'outils et de méthodes dans lequel on puisse piocher. Ça peut paraître un peu barbare cette présentation, on est en train de la construire et celle-là, je sais qu'il faut que je la change, mais en gros, c'est pour décrire le plan d'action. Le principe, c'est d'avoir ce qu'on propose en fait aux collectivités, c'est de rentrer dans cette démarche. Pour rentrer dans la démarche des territoires hautement citoyens, les collectivités doivent s'engager concrètement à prendre un certain nombre à faire un certain nombre d'actions. Donc c'est un plan d'engagement assez. C'est nous qui posons le cadre, quoi. Et donc la collectivité s'impose à faire ce qu'on appelle un diagnostic démocratique. C'est un autre mot pour dire une cartographie d'acteurs pour repérer sur le territoire les acteurs qui sont en bouillonnement citoyen. Ça peut être des groupes colibris, ça peut être des associations qui vont défendre tel ou tel intérêt, qui vont dans le sens de l'intérêt général ou de l'intérêt commun. Voilà, c'est une cartographie de ce qui existe. C'est la première chose qu'on impose finalement aux collectivités qui rentrent dans le programme. La deuxième chose, c'est d'organiser un sommet citoyen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré tous ces acteurs-là, c'est de les inviter. Et déjà, ça permet de se rencontrer, ça permet de faire des ateliers aussi pour réfléchir à la gouvernance et d'impliquer ces personnes-là dans les ateliers, donc de faire un lien entre l'institutionnel et ce qui se passe en bouillonnement citoyen, finalement, qui est sous les radars de l'institutionnel. L'idée de ce sommet citoyen, c'est de s'inspirer un peu de ce qui peut se passer, par exemple, avec Alternatiba ou avec des événements comme ça qui sont organisés aussi par les citoyens. Donc le principe, ce n'est pas forcément que ce soit la collectivité qui l'organise elle-même, mais plus que, elle donne une impulsion, elle essaye de trouver des gens avec qui y faire, et que finalement, même si ce n'est pas elle qui organise, ce n'est pas grave. Par contre, il faut qu'elle soit présente. Et la troisième vraiment chose importante et à laquelle la collectivité s'engage, c'est à construire et à co-construire son schéma de gouvernance, donc à repenser la manière dont elle prend les décisions en y impliquant plus les citoyens et en faisant ce type de dessin qu'on a fait, c'est-à-dire aujourd'hui comment est-ce que ça fonctionne pour prendre la décision? Il y a le conseil municipal qui est là, il y a les citoyens, bon, il a voté pour un programme, on montre comment ça se passe aujourd'hui et on montre comment ça pourrait se passer demain. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une délibération du conseil municipal quand c'est dans une collectivité, quand c'est dans une mairie, ou de l'organe délibérant si c'est à d'autres échelles, qui disent maintenant on s'organise différemment et dans ce schéma de gouvernance, on implique le citoyen différemment. Donc ça, c'est vraiment les trois choses finalement, qui ne sont pas négociables quand une collectivité rentre dans le programme territoire hautement citoyen. Après, il y a beaucoup d'autres actions qu'elle peut décider de mettre en place. Et encore une fois, nous, ce n'est pas le collectif qui les met en place, mais c'est l'objectif, c'est de les accompagner, les outiller, essayer de trouver des acteurs qui sont capables, sur leur propre territoire, de le faire avec elles. Et c'est pour ça aussi qu'on est une association et qu'on n'est pas une entreprise de prestation de services, parce qu'on n'a pas vocation à le faire. Par contre, on a dans les réseaux de démocratie ouverte des gens, on connaît des gens qui peuvent le faire. Et là, je suis super heureux d'être ici, parce que je sais vers qui je vais renvoyer les communes qui sont dans le, dans le coin, notamment dans le labo. Et bref, voilà. Tableau de bord, ça, c'est juste le principe, c'est que. Il faut qu'il y ait de la transparence sur tout le processus et donc les collectivités qui rentrent dans le programme s'engagent aussi à renseigner un tableau de bord en ligne sur le site de Territoires hautement citoyens dans lequel elles racontent là où elles en sont de la transition démocratique qu'elles sont en train de mettre en œuvre. Non, c'est accessible à tout le monde. Non. On ne l'a pas encore construit, hein. Ça, il n'est pas encore en ligne, parce qu'il n'est pas encore construit, mais dans les discussions qui sont à l'œuvre en ce moment dans le collectif, on est en train de se dire qu'il y a peut-être une partie publique, une partie privée. Voilà. Mais ce n'est pas encore arrêté.
Le référentiel, c'est tout ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire une liste d'outils, de méthodes. Je retrouve les guides, les mêmes guides avec les mêmes outils et les mêmes méthodes. Le principe, c'est d'essayer de les reprendre. La plupart de ces guides sont en Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les contenus et tant qu'on cite la source, on a le droit de les réutiliser. C'est fait pour être disséminé au maximum. Donc on va essayer de se les réapproprier pour faire une liste de fiches outils et méthodes qui puissent facilement circuler de manière la plus large possible. Donc ça, c'est, on dirait, une veille assez large. Et après, on prévoit aussi de faire une veille dans un guide éditorialisé, c'est-à-dire les méthodes que nous, on retient parce qu'elles nous paraissent particulièrement intéressantes pour tel ou tel usage ou dans tel ou tel point de quelque chose qu'on veut faire évoluer dans la gouvernance. Donc ça, c'était le guide. Et puis après, les groupes de partage, c'est le principe d'aller visiter des territoires. On a parlé, hier, je parlais de territoires que j'avais été voir, où je trouve génial ce qui se passe. Donc, il n'y a pas que Kingersheim en Alsace et Losanguel dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a aussi Trémargat au beau milieu de la Bretagne. Il y a aussi des endroits sur le plateau de Mille Vaches où il y a des choses qui se passent. Il y a aussi donc il y a des endroits qui peuvent être très ruraux et ou beaucoup moins, beaucoup plus urbains. Je pense que c'est intéressant d'emmener des gens voir comment se passe le budget participatif qui est en train de mettre en place la mairie de Paris. Et que les élus puissent se rencontrer et avoir un groupe de partage autour de comment est-ce que nous, sur notre territoire, on est en train d'essayer d'enclencher cette transition vers une démocratie plus ouverte. C'est donc des visites des élus, mais aussi évidemment des agents des collectivités, parce que ce n'est pas que les élus qui peuvent être impliqués là-dedans. Bon, après, le principe qu'on... Là, on est encore en discussion sur la manière de le faire. Ça s'adresse aux collectivités locales, mais qui s'engagent aussi à impliquer les citoyens dans chacune des démarches qu'elles mettent en œuvre. Et on essaye de faire quelque chose qui ait le coût minimum possible. C'est-à-dire que nous, on est là, on ne sera pas là. L'idée, c'est... Bon, ça fait trois fois que je répète, j'arrête de le dire après, mais c'est que ce n'est pas nous qui faisons. C'est-à-dire que si demain, la collectivité dit « Ok, je m'engage à faire cette cartographie d'acteurs », c'est pas moi qui vais aller faire la cartographie d'acteurs, c'est elles essayent de trouver les ressources sur leur territoire, elles ont déjà des gens avec lesquels elles travaillent pour faire ça. Nous, on est juste là en tiers garant pour s'assurer que cette cartographie d'acteurs, elle est bien faite déjà, qu'elle est bien faite avec les citoyens et pas juste avec un prestataire qui l'aurait fait tout seul. Donc voilà, on pose un cadre et on veille à ce que ce cadre soit bien respecté et on peut accompagner sur les choses, mais on n'est pas là pour le faire. Même si, en effet, on connaît des gens vers lesquels on peut essayer de renvoyer pour faire ça. Qui est-ce qui porte, quand je dis démocratie ouverte? C'est un collectif qui, au début, était complètement informel. On l'a lancé en 2012, ce collectif, avec surtout des innovateurs du numérique liés à la gouvernance et à la démocratie. Donc, des porteurs de projets. Je vous ai parlé de Parlement et Citoyens hier, la plateforme pour co-construire des propositions de loi. En fait, en construisant cette plateforme, on a rencontré, quand je dis on, c'est on était quatre à porter ce projet-là, et on a rencontré plein d'autres acteurs qui, dans le numérique, étaient en train de faire d'autres plateformes. Alors, il y en a une qui s'appelle Vox.org, qui permet de comparer des programmes, et les données sont ouvertes de tous les programmes politiques avant une élection. Il y en a une qui s'appelle Questionnez vos élus, pour poser des questions à ces élus. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs comme ça qui étaient en train d'innover sur des outils démocratiques, mais que pas grand-chose, enfin, il manquait quelque chose pour les fédérer, donc c'est pour ça qu'on a créé Démocratie Ouverte. Et là, c'est en train de se structurer et de discuter pas mal avec... Alors ça, c'est les principes d'une démocratie ouverte, plus de transparence, plus de participation et plus de collaboratif, mais je ne m'attarde pas dessus. Pour revenir sur le collectif Démocratie Ouverte, on est en train de se rendre compte que ça intéresse aussi les institutions. Donc au-delà de la société civile dont je viens de parler et des collectifs citoyens ou des citoyens eux-mêmes, il y a aussi des entreprises. Donc dans le conseil d'administration, le tout nouveau conseil d'administration du collectif, il y a le patron de Google et de Google France. Donc on a été surpris qu'ils soient intéressés, et tant mieux d'un côté, même si forcément on reste aussi sur nos gardes sur certaines choses, mais on est dans cette logique d'être ouvert à un maximum de personnes. Donc ça va de très grosses entreprises comme ça à des petites startups qui étaient déjà un peu constitutives du collectif.
Et il y a aussi, et c'est encore plus intéressant, je trouve, les institutions qui pourraient paraître poussiéreuses, etc., et qui, en fait, sont en train de s'ouvrir à toutes ces logiques-là. Donc, on a, dans le conseil d'administration, Jean-Paul Delevoye, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, et qui n'a qu'une envie, c'est de faire de ce Conseil économique, social et environnemental une maison du citoyen. Et je crois qu'il se bat un peu en interne sur les manières de faire, mais c'est intéressant qu'une institution comme celle-là vienne à notre rencontre et qu'on échange avec eux. Il y a Claudie Le Breton, qui est le président de l'Assemblée des départements de France, qui est aussi dans le conseil d'administration et qui s'intéresse à ça. Il y a Jean Rotner, qui est le maire de Mulhouse, qui va être une des premières collectivités à rentrer dans le programme Territoire hautement citoyen et qui est aussi à l'Association des maires des grandes villes de France. Et Laurence Monnoyer-Smith, qui est la vice-présidente de la Commission nationale du débat public, qui est pareil, est en train de réfléchir aux manières de faire pour que ça ne soit pas uniquement à une échelle locale, mais aussi que sur les grands débats nationaux, il puisse y avoir ce type d'outils, de méthodes qui rentrent. Voilà, donc, pour l'instant, c'est juste des manifestations d'intérêt. Si ça se trouve, ça ne va pas tenir, on n'en sait rien. On est vraiment en démarche itérative de co-construction, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au-delà de réseaux citoyens, mais dans de l'institutionnel aussi, qui commence à changer ses modes de pratique. Et du coup, je trouve que c'est des super nouvelles. Quand on est entouré de mauvaises nouvelles, il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et voilà. Là, on est en construction de la chose. On a, pour vous dire exactement là où on en est, on a cette présentation qui présente le concept. C'est un appel à envie, quoi. Nous, ce qu'on a envie de faire, et on a des territoires qui ont déjà répondu en disant ça nous intéresse. C'est à peu près là où on en est. On est en train de rédiger les conventions de partenariat qui, du coup, nous mettent plus le nez dans en détail qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que les collectivités, qu'est-ce qu'elles doivent s'engager à faire. Voilà. Là, on en est à cette étape-là. Donc, c'est complètement ouvert. Et si ça se trouve, ça va pas du tout marcher. On va être récupéré pour faire du citizen washing comme il y a du greenwashing. On va tout faire pour éviter ça, évidemment. Voilà, où on en est. C'est une association démocratie ouverte. Et vous pensez que ça pourra prendre forme quand ? Là, Mulhouse fait son sommet citoyen en début novembre. Donc c'est maintenant. Et que l'adhésion sera possible, du coup, quand pour les collectivités, faut que le 1er janvier 2015, ça soit largement possible. Mais dès aujourd'hui, en fait, moi, après le Tour de France, je me suis plongé dans mon bouquin. Et là, c'est moi qui vais m'occuper dans Démocratie ouverte, maintenant qu'il est presque fini d'écrire, à fond dans ce programme-là. Voilà. Donc, c'est moi qui vais le porter, avec les autres membres qui sont déjà en train de travailler avec Mulhouse et avec les autres collectivités. Voilà. Oui. Témoignent justement de pourquoi ils y vont, comment ils y vont, de leur expérience. Et parce que, enfin, je pense que les élus, c'est une démarche qui leur fait peur. Enfin, oui. On en a discuté entre nous, dès que tu prends concertation, ah oui, mais aussi avant, telle personne, telle association choisit son public, on choisit ses citoyens, on choisit sa question, pour tout, enfin, c'est tout ça. Oui, mais. C'est la participation, et dire que ces expériences-là, voilà, sont menées, on en sort, non seulement on y survit, mais en plus on en sort grand portage. Mais en fait, ouais, complètement. C'est l'objectif des groupes aussi, c'est que d'une part, les élus qui sont déjà avancés dans des démarches puissent rassurer ceux qui rentrent dans la démarche et qui ne sont pas encore rassurés. Et puis au-delà de ça, en effet, on prévoit, comme on vient un peu du numérique et que dans notre ADN il y a ça, on prévoit de faire un maximum de vidéos pédagogiques déjà pour expliquer le concept, et au-delà des vidéos pédagogiques, des témoignages voilà, dans le référentiel, il y a les fiches outils, les fiches méthodes, et il y aura aussi des fiches expérience pour voir ce qui s'est fait et si possible, avoir la vidéo de l'élu, de l'agent et du citoyen qui disent bah, voilà ce que j'en ai pensé.